but you're way behind my curtains now and my tone. You know I never take for granted what we... Voilà, c'est beaucoup mieux. Merde, hey, j'ai parlé pour rien les gars, vous allez bien ou quoi? Bon, j'ai parlé pour rien, j'ai expliqué pour rien, bref, je suis tombé malade les 4 derniers jours au Japon et ça fait mal les gars, ça fait mal. En plus, un retour sans son, ça fait encore plus mal les gars, je vous le dis. Par contre, je peux vous dire que retrouver une chaise, retrouver une souris, un tapis de souris, les gars, des tapis de souris, j'en ai pas vu beaucoup. Un clavier les gars, d'accord? Donc tout ça, c'est incroyable, ça me remplit de plaisir et de bonheur évidemment. J'espère que vous allez bien, j'ai beaucoup de surprises pour vous, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles, je suis déjà en sueur, c'est incroyable. Alors pour ceux qui demandent ce que j'ai, bon, faut savoir qu'au Japon, ils ont un problème. Le mec qui gère les clims dans le pays, je sais pas d'où il sort en fait, tu vois. C'est-à-dire que on est sorti, et je m'en souviendrai, un terrible lundi, donc on est sorti, on a fait quelques quartiers et tout avec les autres, et il pleuvait. C'était pas il pleuvait, il faisait super froid, c'était plus de la pluie un peu chaude, enfin bref, tu connais, tu vois. Pour ma part, une angine, oh bah je pense que j'ai frôlé l'angine, hein. J'ai frôlé soit l'angine, soit la mort, soit le trou de balle à loulou, donc les gars, à vous de choisir. Il pleuvait, nous on marchait beaucoup, hein. On marchait 12-13 km par jour, hein, d'accord. Tu sais, t'es dans une condition où t'es humide, t'es pas bien, tu vois ce que je veux dire. T'es trempé, frère, t'as marché, tu vois, des fois t'es pas yimbe. Et on est rentré, je m'en souviendrai, dans le wagon 4, je m'en souviendrai comme si c'était hier. On est rentré dans le wagon 4 et ils avaient mis la clim. Je sais pas quelle idée, à quel moment, à quel putain de moment quand il pleut dehors, tu mets la clim, frère. Tu vois, c'est nulle part tu fais ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu veux juste tuer des gens en fait à faire ça. Je me suis réveillé le lendemain, j'ai dit bah les gars, c'est la fin de l'aventure pour moi, pour le joueur français évidemment. Je vous laisse. Donc voilà, je suis encore malade. Pas grand chose. Je sens que dans les poumons, il y a de la morve, tu vois. Il y a quelque chose. Une petite toux, voilà, vous venez de l'entendre. Petite gorge un petit peu irritée, tu vois, comme si j'avais sucé 2-3 bites. Mais en dehors de ça, ça va, les gars, ça va et ça me fait super plaisir de revenir. Bon, déjà, je vais devoir remercier tout le monde. C'est pour ça que je suis né, hein. C'est pour ça que ma mère m'a mis au monde, évidemment, pour remercier tous ces gens qui me soutiennent chaque jour. Tous ces gens qui m'ont soutenu même quand j'étais pas là, hein, au Japon, qui renouvelaient les abonnements, évidemment, hein, jamais dans nos cœurs. Et tous ces gens qui continueront de me soutenir. En tout cas, ça peut paraître bizarre. Certes, je suis malade. Mais je reviens avec une sephore, frère. Même malade, je suis hal. Là, je suis là, je suis sorti ce matin, chibre à l'air. C'est peut-être pour ça que je me soigne pas, enfin, c'est pour ça que je guéris pas aussi. Je suis sorti chibre à l'air sur ma terrasse. J'ai dit, putain, ça, c'est la vie, les gars. Je commençais déjà à kiffer. Parce que bon, on n'est jamais mieux que chez soi-même, finalement. Même si ce voyage fut juste extraordinaire. Et évidemment que j'y retournerai. Le Japon restera jamais mon pays de cœur. Mais le plaisir aussi de se retrouver, les gars. Attends, c'est quand même incroyable. Alfou, là, je crois qu'il m'envoyait des SMS. Lui, il est en train de tomber malade. Lui, ça commence. Après, c'est possible qu'avec le jet lag et tout, c'est très souvent, les gens tombent malades. On est fragilisé en fait après un retour de voyage. Gigi est rentré du Japon la semaine dernière. Bon, espérance de vie 3 jours. Il a fait 3 jours en France, il a eu sa grippe, hop, ça dégage, hein, y a plus de Gigi les gars. Hein. Alfouille, on est rentré hier, il m'envoie un SMS, je sens qu'il n'y a plus de son, plus d'image non plus. Hein. Moi, bon, j'ai préparé le terrain, ça fait déjà 4 jours, j'ai assuré le coup, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, hey, autant tomber malade avant, ça fait plaisir, j'ouvre le bal. J'arrive, je vais me prendre des mouchoirs. Hein. Non, parce que là, il va sortir des trucs, ça va être dingue. Hein. Voilà, je suis de retour avec un petit rouleau de PQ, ça fait plaisir. Merci New Gamers, 17, 13e mois. Bonsoir le génie, sois le re-bienvenu en France. Tu as retrouvé tes amours, ton lit et ta chaise. Passe une bonne soirée. Ah non, les gars, ça fait très longtemps que je me suis pas assis sur une chaise gamers. Là, je peux vous le dire que je vais voir à travers le mur, je vais mettre des dingueries, les gars, sur tous les jeux. Hein. Merci mon Dylan pour ton 16e mois. Tu sais que t'es beau, B-Boy. Merci, ça fait plaisir. C'est ma mère, elle me l'a dit une fois, il y a déjà 25 ans. Et c'est vrai que plus personne me l'a jamais redit. Donc le fait que tu me le dises, Dylan, bah ça me touche en fait. Ça me touche. Merci, Wistoui. 14e mois. Ah, enfin le retour. T'as vu la NASA montrer des photos du trou de balle à loulou? Ben ouais, j'ai vu ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, c'est sympa, hein, c'est sympa. Mais pour moi, Loulou, il avait pas mangé 2-3 steaks. Non, sinon, la photo aurait été beaucoup plus nette et plus prononcée. D'accord? Donc, j'ai envoyé un mail là, à la NASA, là. J'ai porté réclamation. J'ai dit, non, attendez, les gars. Vous diffusez une photo du trou de balle à Loulou, alors qu'il a pas mangé de triple steak, les gars? Vous êtes vraiment... Ça, pour vous, c'est une avancée? Il a juste à bouffer un triple steak, ta photo, tu l'as en full HD, frérot, hein. 4K, mes couilles au bord de l'eau, hein. Je me mouche, hein. Ah bah de toute façon il n'y a plus de ça entre nous les gars, on se cache plus rien maintenant. Hein. Voilà, ça c'est pour Loulou. Hein.
Voilà, je lui enverrai ça dans son 3 steak à ce bâtard. Hein. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas insulté, ça me manque. Ah, ça m'a manqué. S'il y a bien un truc qui m'a manqué, c'est ça, les gars. J'étais là, j'ai hâte de retourner en France pour insulter Loulou, là, parce que c'est plus possible. Merci, mon Red Wing, 7ème mois, qui dit salut, ça va. Tu vas faire gagner ta mort ou pas? Non, ça ferait trop plaisir à certains, dont Super Canard WC, qui m'a cassé les couilles pour essayer de gagner un putain de caleçon. C'est n'importe quoi, c'est totalement ridicule. Je lui ai dit non, mais laisse-moi mes caleçons. Déjà, j'en ai un, tu vois, qui fait tout le mois. Si en plus tu commences à me le prendre, frère, je vais avoir les couilles qui ratent au jean, hein, gros. Poupette 91, 4ème mois, qui dit contente de te retrouver en forme et ressourcée. Alors, ressourcée à fond. Les gars, là, je déborde de ressources. Là, je suis Minecraft, frérot. Je suis une bibliothèque, il y a de la ressource qui sort de partout. Non, en vrai, c'est bizarre. Vous savez pourquoi c'est bizarre? Parce que là, mon esprit, il est béton, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Là, mon mental, il est hyper fort. Mon esprit, il est béton. Mais frérot, mon corps, il m'a lâché, il est parti. Il a dit non, mais t'es retourné en France, c'est terminé pour toi, mon pote. En vrai, les gars, je vais vous dire la vérité. Hein. Tu sais, tu peux être malade, mais t'es pas bien, tu vois. Tu peux être malade, mais là, même. Je sais pas, mon mental, frérot, il est rodé, tu vois. Je suis peut-être à deux doigts de canner, hein, les gars. Je sais pas, tu vois. Peut-être demain, je vais pas me réveiller, cousin. Mais je suis bien. J'ai de la sephore à revendre, là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gars, parce que là, on parle. J'ai rien annoncé. J'ai rien dit. J'ai le nez, frère, il y a 4 loulous dans chaque narine. J'ai le trou de balle, frère. Il y a 4 loulous dans mon trou de balle. Ça sort des oreilles, cousin. Tu savais que de la mort pouvait sortir de tes oreilles? Tu sais que tu pouvais... Des choses peuvent sortir de ces endroits-là ou pas? Est-ce que tu le savais? Et d'ailleurs, il m'est arrivé un truc trop chelou. Mais genre, une douleur à un endroit que je pensais pas probable. Quand l'avion, il commençait à atterrir... Alors, tu sais, il y a la pression, tu vois ce que je veux dire, de l'air, mes couilles sur ton front, tu vois. L'avion commence à atterrir. Tu sais où j'ai eu mal, gros? J'ai une douleur derrière le sourcil gauche. J'ai dit, mais c'est totalement con, c'est pas possible. Comment, en descendant et avec la pression, tu peux avoir une douleur au sourcil gauche? Et j'avais grave mal au sourcil gauche. Et j'étais là en mode, mais je suis ridicule là, mais ressaisis-toi. Mais c'est totalement débile ce qui t'arrive. D'ailleurs, oh putain, autre chose. Alors, bon, vous le savez, vous l'entendez, je suis malade depuis 4 jours, d'accord? Alors, dans l'avion, la meuf qui passait pour distribuer l'apéro, d'accord, qui allait te demander. Je pense que ça, c'était un signe du Tout-Puissant. Je vous le dis, c'était un signe du Tout-Puissant. Donc la meuf, elle passe, tout va bien, je tousse pas beaucoup, nickel, mais tout va bien, frérot, tu vois. Elle passe, siège en siège, moi j'étais le dernier siège au fond. Peut-être un siège avant qu'elle passe sur moi pour me demander ce que je veux. J'ai, vous savez, quand vous êtes malade, quand vous avez la gorge irritée, il peut se passer n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, peut-être une micro-poussière, je sais pas. Aucune fichue idée. J'ai senti un truc se déposer en respirant sur ma glotte. Parce que moi, j'ai une glotte plus volumineuse que les autres. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai senti un truc se déposer sur ma glotte. C'est terminé. Tout le monde a cru que j'allais canner dans l'avion. Gros, on venait à peine de décoller, gros. Je me suis dit, ça y est, bah, je suis foutu, les gars. Je suis parti sans moi. Jetez-moi par un hublot, les gars. Nique sa mère. Merci, fan de B-Boy. 500 bits, une douleur au sourcil gauche. C'est une rupture d'anévrisme en préparation. Je le sais, je suis médecin depuis 4 jours. Oh putain, il m'a fait peur. Mais les gars, commencez pas à faire vos doctissimo, bande de bâtards. Mais par contre, j'avoue que, les gars, no joke, j'étais là, je touchais mon sourcil, je dis, bah, je sais pas, c'est bizarre. Comment, il y a pas de nerf, il y a rien, tu vois, derrière un sourcil. Bah, il y a l'arcade, mais, je veux dire, il y a pas de veine, il y a pas de nerf, il y a pas de truc. J'ai littéralement l'avion, bah, littéralement, ouais, j'ai pris un coup de pression, sa mère. Hein. C'est ton sinus, respecte mon sinus. Moi, je parle pas de toi, tu respectes mon sinus, c'est tout ce que je te dis. S'il y a bien un truc qu'on insulte pas, c'est les mères et les sinus. Attention les gars, c'est à cause de ton œil gauche, le Sharingan. Comment ça s'appelle? C'est pas le Sharingan. Les flammes noires là. Comment ça s'appelle dans Naruto? L'Amaterasu, je crois. Amaterasu. Je crois que c'est ça. Ouais, après je suis japonais, c'est normal, j'ai une maîtrise. J'ai une maîtrise qui se crée les gars, ça me fait plaisir. Les gars, vous êtes prêts? Je vais me démuter les frérots. Normalement, mais pourquoi y a pas le fouille? Ah bah il a changé de PC, t'as changé de PC? Qui, moi? Ouais, bah qu'est-ce que tu foutais en haut? Bah non, c'est parce que... Jojo, il voulait papoter. Ah, d'accord. Tu racontes... Du coup, je voulais pas déranger, toi. D'accord. Faut que je switch là-bas. Parce qu'il m'a poké, il m'a harcelé. Il me casse les couilles, là, Jojo. Hein. Jojo, je suis à peine rentré. Je suis malade. Il me casse les couilles. Je veux des photos de ta montre. Tu veux pas des photos de mon chibre? Oh. Non, mais ça, j'ai déjà. Je mets la montre autour du chibre. Ton chibre. Bah oui. Je mets la montre autour du chibre. Ça ferait un chibre montré. Ah, pas mal. Ça ferait un chibre G-Shock. Venez sur Fortnite. Je survivrai pas. Hein. Jojo, je suis tombé malade. Raconte. Mais en vrai, un vieux coup de froid claqué, gros. En fait, je suis sorti faire le malin, tu vois. À la base, je voulais me battre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il y avait des Yakuza et tout. Ils étaient 10, 15. J'ai arrêté de compter. J'ai dit à le fouiller Sophie, j'ai dit partez devant. Je m'en occupe, c'est pour moi, tu vois. Je commence à me mettre à poil, forcément. Chibre apparent, si je puis me permettre. Bon, bah, j'ai chopé un coup de froid. Donc là, je suis à moitié en train de. Non, gros, ce fut terrible. Bah, voilà, ce fut terrible. Et c'est encore une sale histoire qu'on racontera dans les légendes, évidemment, plus tard.